Ça fait 2 ans et demi que je suis dans la maladie. Et le problème, c'est que je ne suis pas guérissable. Donc ça, c'est dur à accepter. Ça a commencé l'année passée au mois d'octobre, quand les résultats sont tombés. Donc j'ai fait un cancer foudroyant du poumon. On vit quand même toujours avec une épée de Damoclès sur la tête. Et on ne peut pas s'empêcher de ne pas y penser. On perd l'insouciance complètement quand on apprend qu'on est malade. Surtout que moi, j'étais très insouciante de la vie. Je la croquais à pleines dents. Enfin, j'aimerais tellement la croquer comme avant. Pour l'instant, c'est pas possible.